Bonjour. Ce matin, comme députée d'Hochelaga-Maisonneuve, je rencontre des citoyens, des citoyennes de notre quartier et j'ai la chance d'être avec Annie-Soleil Proteau, qui est une résidente d'Hochelaga-Maisonneuve, mais qui est même quelqu'un qui est né dans Hochelaga, qui a toujours vécu ici encore. Alors, raconte-nous un peu, Annie-Soleil, ton enfance dans Hochelaga-Maisonneuve. Moi, je suis une vraie fille du bout, Carole, comme toi. Je suis née ici, j'ai grandi ici, je suis jamais partie. Je suis partie pour mourir ici même. Donc, toujours dans la même maison, d'ailleurs, juste à côté d'ici. Oui, c'est un triplex. Moi, j'habite là-dedans. Je suis super heureuse là. C'est un quartier que j'aime profondément. Je suis extrêmement fière de mes origines. Mon père vient d'Hochelaga-Maisonneuve, ma mère du quartier Saint-Henri, un petit peu plus à l'ouest de Montréal. Puis mes grands-parents se sont installés ici parce que dans leur village en région, il manquait d'ouvrage. Donc, ils sont venus à Montréal, ils sont installés ici. Puis ça a fait en sorte que j'ai accès à plein de belles personnes. J'aime ça voir des cordes à linge multicolores à côté de chez nous dans ma ruelle. T'as raison. Avoir de la vie, des enfants qui s'amusent, vraiment. C'est un quartier que j'aime beaucoup. À quelle école tu as été? Donc, si tu as passé ta petite enfance, tout ça, donc les écoles primaires, secondaires que tu as fréquentées du coin? Je suis allée à Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle et d'ailleurs, c'est moi qui ai gagné un concours à 11 ans. J'ai dessiné le logo de l'école. Je pense qu'ils l'utilisent encore de temps en temps. C'est vrai? Oui, oui, oui. Puis je participais à la dictée PGL puis au concours de dessin de jardin. J'adorais ça. Après ça, au secondaire, je suis allée à Marguerite de la Jameraie. Un petit peu plus au nord. L'école de filles. Oui, l'école de filles. L'école des filles. Oui, mais il n'y avait pas d'uniforme dans ce temps-là. Fait que ça me permettait d'être un petit peu rebelle dans mes kits de linge. Puis après, au cégep, je suis allée à Maisonneuve, juste à côté. J'aurais aimé aller à Jonquière en arts et technologie des médias, mais tu sais que moi, je m'étais aussi inscrite à Jonquière. Ah oui? Oui, tout à fait. Finalement, ça n'a pas fonctionné. Ah, ben tu vois, moi, j'aurais aimé ça. J'étais au Vieux-Montréal. OK, bon, ben tu n'étais pas trop loin. Moi, j'étais juste pas capable de quitter le quartier. C'est vraiment ça la raison qui a fait que je suis restée ici. Je suis trop enracinée, trop attachée à ce qu'il y a autour de moi. J'habitais à quatre portes de chez mes grands-parents, fait que je voulais rester dans mon monde. C'est extraordinaire. Puis, est-ce que tu as participé, par exemple, dans des organismes de loisirs? Quand tu étais jeune, tu disais, on l'a dictée PGL, des trucs comme ça, mais ça, c'est vraiment école-école. Mais centre de loisirs, on est actuellement dans la ruelle Desjardins, une belle ruelle verte. Est-ce que tu fréquentais le centre de loisirs du coin? J'allais voir mes amis jouer au baseball. Au baseball? Oui. Sais-tu, ici, dans la ruelle Desjardins, sais-tu qui habitait ici? Un gars qui s'appelle Ntema Papi Dungidi, qui est un petit peu plus vieux que moi, qui, lui, a été repêché par les ligues majeures de baseball, aussi à la Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle. Sa maison était juste là. Wow! On jouait ici, tout le monde ensemble. Puis, tu vois, il y a plein d'espoir ici.